monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me rejoignez. Aujourd'hui, je vous retrouve à nouveau pour un spoiler d'un calendrier de l'Avent. Et donc, c'est celui de chez Glossybox. Par contre, je tenais quand même à préciser, c'est la version du Royaume-Uni. Donc, je ne sais pas si la version française, ça sera exactement les mêmes produits. Mais je pense que ça sera similaire. Donc, je vous ferai bien entendu le spoiler version française dès que j'en saurai un peu plus. Pour ce qui est de la date de sortie du calendrier de l'Avent, cela ne change pas. Ça sera pour le 27 septembre. Son prix sera de 99 € pour celles qui ne sont pas abonnées à la Glossybox. Et pour les abonnés, il sera de 85 €. Il renfermera quand même une valeur de produit approximativement de 500 €. Donc franchement, il vaut largement le coup. Par contre, comme je vous l'ai dit, moi j'ai la version anglaise. Donc la version anglaise propose 25 produits. Apparemment, la version française, il n'y aurait que 24 produits. Par contre, niveau présentation du calendrier de l'Avent, ça devrait être exactement la même. Il va se présenter sous forme de coffret marbré de rosé or, qui est assez similaire par rapport à l'année dernière, c'est vrai. On retrouvera des palettes Huda Beauty, soins haute gamme de la marque Avène Skincare, Molton Brown, etc. Maintenant, à voir bien entendu la version française si c'est pareil, mais je pense que ce sera à peu près la même chose. D'ailleurs, avant de vous dévoiler le contenu, personnellement, je suis déjà fan, ne serait-ce que du packaging du calendrier de l'Avent. Je l'adore, je le trouve magnifique, sublime. Ma couleur préférée est le rose, le mélange rose et or, j'en suis trop fan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ne serait-ce que pour le packaging, je pourrais craquer. Bon, allez, on va voir pour ce qui est du contenu. Alors, bien entendu, ce n'est peut-être pas exactement la même chose chez nous. On verra bien, dès que j'aurai les infos, je vous ferai la vidéo. Donc, tout d'abord, il y aura de la marque Elemis. C'est le nettoyant visage énergisant marin. Donc, ça sera une version mini. Comme toujours, pour toutes celles, de toute façon, qui regardent déjà mes vidéos, présentation de calendrier de l'Avent, enfin, du moins, spoiler, vous savez que je mets toujours des petites photos si j'en retrouve, bien entendu. Ensuite, de la marque Wonder Beauty, ça sera le duo fard à joues, donc c'est un blush et une poudre bronzante en même temps. Donc c'est un produit full size. Suivi de la marque Glow, donc c'est le masque de nuit rembourrage satin qui est également un produit full size. Puis il y aura de la marque Sarah Chapman, c'est le masseur facial. Pareil, produit full size, hein. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de produits full size déjà pour commencer. Ensuite, de la marque Avent, c'est le sérum rétexturant antioxydant à l'acide hyaluronique. Pareil, produit full size. De la marque Molton Brown, ça sera le gel bain et pour la douche, version mini. Puis de la marque Grow Georgius, c'est le masque épaississant pour cheveux et cuir chevelu qui sera par contre une version mini. Il y aura également la marque W7 Cosmetics, donc là c'est le crayon sourcil Super Brow, produit full size. De la marque Eyeco, c'est leur eyeliner liquide, donc c'est le produit full size. Alors moi j'adore ce eyeliner là, c'est mon préféré. De la marque James Reed, alors je m'excuse pour la prononciation, c'est vrai que j'ai du mal à prononcer certaines marques. Voilà, c'est de l'anglais et c'est vrai que moi j'ai vraiment du mal. Donc je m'en excuse pour le fait que j'écorche des fois le nom des marques. Donc c'est le masque de sommeil enrichi en rétinol qui sera une version mini. Ensuite, de la marque Pixie, c'est la lotion tonique qui là par contre sera un produit full size. De la marque Vitamask, c'est un masque pour les lèvres repulpant et qui répare. Donc là c'est le produit full size.
de la marque Laura Geller. C'est le correcteur pour le visage. Donc ça sera le mini. Ensuite, de la marque eCooking, c'est le masque peeling qui sera également une version mini. À l'intérieur, on y retrouve également le disque démaquillant en microfibre de la marque Magneton qui sera la version mini. De Steve Laurent, c'est le crayon à lèvres qui sera bien entendu un produit full size. Ensuite, de la marque Bouclem, c'est le masseur de cuir chevelu, pareil, produit full size. Suivi de la marque Zoeva, j'aime beaucoup cette marque, c'est le mascara volume infinite potentiel, donc c'est le produit full size. Enfin, comme vous pouvez le voir, on retrouve quand même beaucoup de produits full size dans le calendrier de l'avant de Glossy Box. Ensuite, de la marque This Work, c'est la brume d'oreiller qui sera une version mini. Il y a également un rouge à lèvres liquide de la marque Larizzi, donc le produit est également un full size. Ensuite, la marque Bubble Tea, donc c'est les bombes de bain pamplemousse rose, pareil, hein, produit full size. De la marque Verso, c'est une crème hydratante nourrissante qui sera une version mini. Ensuite, encore une version mini, mais c'est la marque Ila Maska et c'est vraiment une marque au top. Donc c'est le rouge à lèvres teinte Bang. Suivi de la marque Rodial qui sera un sérum hydratant, donc c'est le produit full size. Et pour finir, le bouquet final, enfin du moins pour la version anglaise bien entendu. Alors j'espère que dans la version française, il y a aussi ce produit-là parce que franchement, c'est mon gros coup de cœur et je pense que ça serait le coup de cœur pour beaucoup d'entre nous. C'est de la marque Huda Beauty, c'est une palette de fard à paupières, donc c'est la Mercury Rétrograde qui est bien entendu version full size. Voilà ce qu'il en est du calendrier de l'Avent 2021 de Glossy Box, bien entendu version anglaise, hein. Ça je vous l'ai répété plus d'une fois mais c'est juste pour vous préciser la chose que je suis pas certaine que la version française, celle que nous aurons, nous, ça soit exactement la même chose niveau produit, mais je me suis dit ça pouvait être sympa de partager ceci avec vous. Bien que j'espère de tout cœur que certains produits, on va les retrouver eh bien chez nous. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette version-là. Franchement, moi, je l'adore. Si c'est cette version chez nous, croyez-moi que je saute dessus sur ce calendrier de l'Avent. En plus, le prix, voilà, bon, ça reste assez cher. C'est vrai pour celles qui ne veulent pas mettre plus de 50 euros. Eh bien, voilà, ce calendrier de l'Avent n'est pas trop fait pour vous. Mais comme vous pouvez le voir, niveau valeur réelle, ça vaut largement le coup. Je veux dire 85 euros pour celles qui sont abonnées, hein, bien entendu, pour une valeur réelle de 500 euros de produits, eh ben, il n'y a pas à réfléchir. Enfin, voilà. Maintenant, à voir la version française. Bref, en tout cas, moi, je suis quand même assez curieuse de savoir votre avis sur ce calendrier de l'Avent. Dites-moi si vous allez craquer ou non sur le calendrier Glossy Box, bien que c'est peut-être pas cette version-là que nous recevrons. Enfin voilà, je suis quand même assez curieuse. Et en attendant, ben, comme toujours, je vais vous dire à très vite. Je pense que ce sera pour un nouveau spoiler de calendrier de l'Avent. Là, je les enchaîne. Voilà, ça commence tout doucement à se mettre en place. Noël approche, hein, j'ai envie de dire, bien qu'il reste encore quelques mois. Mais c'est vrai que bien souvent, les calendriers de l'Avent commencent à sortir ben, courant le mois de septembre. Donc surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube si vous voulez savoir d'autres contenus de calendrier de l'Avent. D'ailleurs, dites-moi lequel vous aimeriez bien que je vous spoil. Alors, je vais essayer, bien entendu, hein, c'est pas sûr que je retrouverai toutes les infos. Donc, dites-moi en commentaire quel calendrier de l'Avent vous fait de l'œil et vous aimeriez bien avoir des informations dessus. Bref, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.